Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans la jurisprudence du jeûne, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler sur la zakat al-fitr. La question est, est-il permis d'avancer la zakat al-fitr avant 100 ans? Les savants divergent à ce sujet et leur divergence est un bien et une miséricorde qui permet d'avoir des solutions multiples à un seul problème. À ce sujet, on va exposer les propos des quatre écoles qui ont donné trois avis. Les Malikites et les Hanbalites ont dit qu'il est permis de donner zakat al-fitr 1 ou 2 jours avant al-Eid. L'imam Malik a déclaré qu'il est permis de donner la zakat al-fitr avant d'aller à la prière de l'Eid. Et s'il l'a donné 1 ou 2 jours avant, il n'y a aucun mal à cela. Al-Sheikhlil a déclaré également, il a dit donner la zakat al-fitr 2 jours avant le jour de al-Eid. Leur argument est que l'imam Malik a rapporté que Abdullah ibn Omar avait l'habitude d'envoyer la zakat al-fitr à celui qui se chargeait de la distribuer 2 ou 3 jours avant la fête, c'est-à-dire al-fitr. Les Shafi'ites ont dit qu'il est permis de donner la zakat al-fitr dès le début du ramadan. Et c'est un des avis chez les Hanafites, parce que la raison pour laquelle la zakat al-fitr est obligatoire, pour eux, c'est deux choses. Le jeûne au début du ramadan et la rupture du jeûne à la fin de celui-ci. Si l'un d'eux est présent, il est permis d'avancer la zakat al-fitr. Mais il n'est pas permis de la donner avant le début du ramadan. Les Hanafites ont dit qu'il est permis de donner la zakat al-fitr 1 ou 2 ans avant. Parce que la raison pour laquelle c'est obligatoire pour eux est fixe. C'est la présence d'une personne qui doit la donner. Dans cette décision, pour eux, la zakat al-fitr est comme la zakat sur l'argent ou les biens. On l'appelle l'aumône sur les biens. Il y a un autre avis qui est les Dahirites, les Dahiriya, on dit il n'est pas permis d'avancer la zakat al-fitr avant 100 ans du tout. La zakat sur l'argent est versée au bout d'une année et la zakat al-fitr est versée au lever de l'aube. Car pour eux, si cela était correct, il serait également permis d'avancer la prière, le jeûne et le hajj avant leur temps, car ce sont tous des actes d'adoration qui sont limités à des temps précis. En conclusion, la précaution et la possibilité de donner la zakat al-fitr 1 ou 2 jours avant l'Aïd, tout comme dans l'école malikite et hanbalite, il est aussi permis de la donner dès le début du ramadan, si nécessaire, comme dans l'école shafi'ite. Donc, c'est les trois avis qui sont connus. Et la deuxième question, est-il permis que la zakat d'une personne en France, par exemple, soit donnée par procuration dans un autre pays? Sa valeur est estimée en fonction du pays de résidence ou du pays où elle est versée. Est-ce que zakat al-fitr ou zakat sur les biens accepte la procuration pour paiement? Est-il permis de la payer à la place de quelqu'un qui se trouve en dehors du pays? Ces questions comprennent trois éléments. Première question, zakat accepte-t-il la procuration? La zakat est un acte d'adoration qui accepte la procuration avec l'accord de la majorité des savants. Al-Mazari a déclaré quant à la zakat, elle est valable en cas de procuration de l'argent de celui qui est procuré ou de l'argent de celui qui procure, c'est-à-dire celui qui est obligé de payer la zakat. C'est une adoration sur les biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procuré à Ali à propos du sacrifice de la grande fête. Et là, le sacrifice aussi est un culte. Cependant, les Malikites ont déclaré la procuration est déconseillée pour la zakat parce qu'il est mieux de faire l'adoration soi-même. Mais cela reste permis parce que ce qui est déconseillé reste autorisé. Et les Shafi'ites ont dit il est permis de procurer quelqu'un tant qu'on lui donne la permission, parce que tout ce qui a besoin d'une intention, un niya, ne peut pas être fait par les autres sauf avec la permission ou la procuration, telle que payer la zakat al-fitr. Les Hanafites ont stipulé l'intention de celui qui procure. Les Hanbalites divergeaient sur ce sujet. Ils ont un avis qui dit que c'est valable sans l'intention, un autre avis qui dit qu'il n'est valable que par l'intention. Deuxième question, est-il permis de transférer la zakat aux pauvres d'un pays autre que celui où je me trouve. La procuration en zakat, si elle est dans le même pays que celui qui la procure, il n'y a pas de mal à cela, comme on a dit. Mais si celui qui procure zakat se trouve dans un pays et que celui à qui l'a procuré se trouve dans un autre pays, cela pose une autre question, qui est le transfert de la zakat. Les savants ont divergé à ce sujet. L'origine de leur divergence se fonde sur deux hadiths, les deux rapportés par le compagnon Mu'adh ibn Jabal. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen, fais-leur savoir qu'Allah leur prescrit de faire une aumône qui doit être perçue des riches pour être distribuée aux pauvres. Cela indique que le transfert de zakat aux pauvres d'un autre pays n'est pas autorisé. Le deuxième hadith, ce que Al-Bukhari a rapporté, selon Mu'adh ibn Jabal toujours, quand il a dit au peuple du Yémen, apportez-moi des vêtements ou des tissus comme zakat à la place de l'orge et du maïs, c'est plus facile pour vous et meilleur pour les compagnons du messager, le messager d'Allah à Médine. Cela indique qu'il est permis de transférer la zakat du pays du donneur vers un autre. Les savants divergeaient à ce sujet même à l'intérieur de la même école. Quant à la divergence à l'intérieur de l'école malikite, Al-Qurtubi l'a résumé dans son tafsir. Il a dit « Les savants différaient concernant le transfert de la zakat selon trois avis. Le premier, ce n'est pas permis de transférer la zakat. Sahnoun et Ibn al-Qasim l'ont dit. Ibn al-Qasim a également dit « Si elle est transférée par nécessité, il n'y a rien de mal. » Sahnoun a dit « Si le gouverneur voit que certains pays ont un grand besoin, il est permis dans ce cas de leur transférer la zakat. Si le besoin se manifeste, la zakat doit être transférée à celui qui est plus dans le besoin. » Le deuxième avis, il est permis de la transférer. L'imam Malik l'a également dit. Le troisième avis, c'est que la part des pauvres et des nécessiteux doit être répartie selon l'endroit où il se trouve et les parts peuvent être transférées avec l'accord ijtihad du gouverneur. Le célèbre avis chez les Malikites, il n'est pas permis de la transférer dans un pays qui se situe à plus que la distance légitime du voyage, qui est environ 80 km, à moins qu'il ne trouve personne dans son pays qui mérite zakat. Et cela est le même avis que les Shafi'ites et les Hanbalites. Chez les Hanafites, c'est déconseillé de la transférer, sauf s'il la transfère à ses proches. Ce n'est pas déconseillé en vue du maintien de liens parentés. Les Hanafites n'acceptent pas la charité de l'homme alors que ses proches sont dans le besoin, jusqu'à ce qu'il leur donne en premier. Et ce qui est considéré par les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites dans la zakat des biens, c'est l'endroit où se trouve l'argent. Et dans la zakat al-fitr, c'est l'endroit où se trouve celui qui la donne. Al-Qurtubi a dit à propos du hadith précédent de Mu'adh, quand il a dit au peuple de Yémen, apportez-moi des vêtements ou des tissus comme zakat, dans ce hadith, il y a la preuve du transfert de la zakat du Yémen à Médine. Et Allah a dit dans le Coran, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres. Et il n'a pas fait la différence des pauvres d'un pays à un autre. Pour la troisième question, est-il permis que la zakat d'une personne en France soit donnée par procuration dans un autre pays? Sa valeur est estimée en fonction du pays de résidence ou du pays où elle est versée. Sur la base de la divergence concernant le transfert de zakat, le principe de base est qu'il doit être donné dans le pays où on réside. Et il n'est pas permis de transférer zakat dans un autre pays, sauf par nécessité. Dans ce cas, il n'y a rien de mal à la transférer, mais elle doit être donnée en fonction de sa valeur dans le pays où se trouve celui qui est procuré. C'est parce que le principe de base de la zakat est de donner de la nourriture. Et si on doit donner la valeur en espèces, elle doit dépendre plutôt du prix de la nourriture partout où se trouve le paiement de la zakat, quelle que soit la différence de prix de ces aliments d'un pays à un autre. La valeur de zakat et son prix sont estimés à l'endroit où on la donne et non dans un autre endroit. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.